السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on a entretien avec notre cheikh Abdul Fattah du Niger. Voilà, c'était par rapport aux questions qui se posent de nos jours. C'est un foyer. Il y a des maris qui se disent. Après que leur femme ait accouché une fille, il se plaint que c'est la femme qui passe tout le temps à accoucher des filles. Donc là, nous, on voulait un éclaircissement là-dessus. Ok, donc la parole est à notre cheikh. A'ouz billahi samil alim. Mena shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Amen. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, نعم. Celui qui d'abord donne. Ensuite, et que l'enfant soit garçon ou fille, نعم. Ne dépend pas de la femme. نعم. En se référant à des versets coraniques. Non. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé non. l'homme et la femme non. comme le cultivateur et son champ. Allahu Akbar. Il dit d'abord, Nisa'ukum harsun lakum. Fatu harsakum anna shi'itum. Vos femmes sont des champs de labour. Vous pouvez aller au champ non. quand vous le voulez. Non. Donc, si l'on considère non. que le mari est cultivateur non. et que la femme non. est le champ, non. c'est ce qu'on a semé non. qui doit sortir de la terre. Allah. C'est ce que l'homme non. a déposé non. dans le vagin de la femme non. que la femme conserve non. 9 mois après. Non. Qu'elle fait sortir. Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui donne les enfants. Non. Ce n'est pas parce que la femme n'a pas de valeur. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a tellement valorisé la femme non. que en disant que c'est lui qui donne les enfants, Allah. Il a commencé non. par la fille. Non. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثَ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءَ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُنَّ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا. نعم. Dieu dit que نعم. c'est lui Dieu نعم. qui donne d'abord la fille نعم. à qui il veut. نعم. Ensuite, il donne le garçon non. à qui il veut. Ou bien, il les mélange, non. garçon et fille, pour donner à quelqu'un. Et il rend qui il veut stérile. Et Dieu crée ce qu'il veut. Bien avant l'avènement de l'islam, non. c'est des pratiques anti-islamiques. Non. Avant l'avènement de l'islam, les non. gens avaient un tel comportement non. qui considère non. et la fille comme une honte. Quand il y a la naissance d'une fille non. dans un foyer bien non. avant l'islam, non. les gens se permettent non. d'enterrer la fille vivante. Il y a un récit dans lequel non. quelqu'un ayant eu une jeune fille non. a voulu la tuer. Non. Sa femme s'est interposée, non. suppliée. Non, non. En un mot, non. pour ne pas être très long, non. on a pu convaincre ce monsieur jusqu'à ce que cette fille-là ait atteint l'âge de la puberté. Non. Malgré tout, non. le monsieur ne désarme pas. Non. Il tient coûte que coûte à tuer cette fille. Allah Akbar. Un jour, non. il a dit que lui, il veut voyager non. et qu'il souhaiterait que sa fille l'accompagne.
afin d'aller assouvir son dessein. Et la mère l'a supplié. Il a pris l'engagement de ne rien faire à la fille. La fille s'est habillée, s'est parée de ses beaux habits. Elle a suivi son papa. Arrivée à un puits, faisant semblant d'aller chercher de l'eau à boire, invitant la fille, il a jeté la fille dans le puits. Après, ce monsieur-là s'est converti en islam. Il a raconté son histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a quelqu'un que Dieu ne doit pas pardonner, ça ne peut être que toi. Voyez comment il a fait durant tout ce temps. Bon, si aujourd'hui quelqu'un se plaint, pourquoi sa femme donne des filles? Demandons-lui d'abord sa mère, elle est qui? Allahu Akbar. Sa mère qui est à l'origine de sa venue au monde. Venue au monde. C'est une femme. Elle était fille. Avant d'être mère. Si elle n'était pas mère, comment lui allait venir au monde? Secondo, sa femme avec laquelle il a vécu pour encore avoir une fille d'abord qui le repugne, qui ne veut pas voir, est une fille. Si sa femme n'a pas été créée fille, n'étant pas fille, avec qui allait-il partager sa vie et jouir de ses relations sexuelles jusqu'à avoir une fille? Donc, il n'a pas à refuser ni sa mère ni sa femme. Étant donné que sa femme n'est pas une planche, c'est un être humain. Et il a fallu sa femme pour que lui, il puisse avoir un enfant jusqu'à avoir une fille et refuser encore une fille. Moi, je pense que ce n'est pas du tout raisonnable. C'est vrai. Donc, et ceux-là qui ont enterré les filles vivantes, il y a un verset de le Coran, là où et le jour de la résurrection, ils seront interrogés de leur acte. L'enfant qu'on a enterré vivante va se poser la question le jour de la résurrection: qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite d'être enterré vivante? Donc ça, c'est une idée vraiment archaïque, une idée de mécréance, donc que les gens cessent vraiment de véhiculer une telle idée. La femme n'a rien à voir dans le sexe de l'enfant. C'est tel que je l'ai dit tout à l'heure, l'homme étant le cultivateur, la femme étant le champ, ce que vous avez sémé, c'est ça qui va sortir. Donc, la femme n'a rien à voir avec le sexe de l'enfant. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.